Yo les gens, ici Rafi750, on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Donc je vous fais juste une petite vidéo courte pour vous présenter un nouveau personnage modé donc, que j'ai découvert. Donc je vous mettrai le lien dans la description, comment l'avoir, sur quel site. Donc vous allez très bien comprendre de qui il s'agit. Donc ce sera la nouvelle forme de Vegeta en Super Saiyan, moi je vais l'appeler Super Saiyan Blue 2. Donc je vais l'appeler comme ça. Donc combat libre. Je fais un petit combat libre. Un contre un. Ça, je vais vous montrer ce personnage. Donc, faites pas gaffe à tous mes persos. J'ai pas encore tout débloqué dans le jeu, mais je suis en train de le faire en ce moment. Mais là, j'ai pas encore tout fini de débloquer. Donc, par rapport à par exemple à Vegeta Super Saiyan Blue, vous voyez là, j'ai Vegeta en Super Saiyan Blue. Donc, vous allez pouvoir voir que son Vegeta en Super Saiyan Blue Advanced a pas la même couleur de cheveux. Vous allez voir, vous voyez les cheveux plus foncés. Donc c'est pas la même couleur encore, c'est un bleu plus intense. Donc on va présenter ce personnage là. Par exemple, je pourrais faire un combat contre Black Rosé par exemple. Ou Black Rosé, il est là. Black Rosé. Donc on va faire un combat dans la salle de l'esprit. J'aime bien la salle de l'esprit, c'est un bon petit terrain. Donc en espérant que le jeu bug pas trop parce que bah j'ai quelques lags en ce moment. Comme je suis en train de mettre une vidéo sur YouTube. Je suis en train de vous uploader une petite vidéo, donc du coup ça lag un peu, donc je serais désolé par avance si ça lag. Donc là déjà, on peut voir ses cheveux sont bleus. Voilà, tiens, je me fais lâcher déjà. Donc... ça commence bien déjà. Prends ça. J'ai cette attaque là déjà. En plus le jeu ça fait pas mal de temps que j'ai pas touché. Donc on attaque, on a aussi celle-là. Ensuite on a c'est ce que je viens de vous faire. On a frappe. Donc ça vous faire, je vais vous montrer dans le mode d'entraînement. Ah, j'ai raté celle-là, dommage. Bon, moi j'aurais gagné le combat correctement. Oh, il y a un bug là. Il y a un méchant bug. Donc j'ai gagné. Donc là, on va aller dans le mode entraînement pour vous montrer le personnage. Plus en détail. Donc c'est juste pour vous montrer un petit combat. Hein. Donc retour au choix du personnage. Non, faut que je quitte le... mode. Attendez, je vais quitter le mode de jeu. Et vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la description qu'on va l'avoir. Hop, donc. Combat, non, c'est entraînement. Donc on va prendre Vegeta en Super Saiyan Blue Advance. Donc moi je vais appeler Super Saiyan Blue 2, hein, ça va être plus simple. Après j'ai pas mal de personnages, donc j'ai pas tout installé, hein, tout ce que j'ai en mode. Hein. Donc j'ai Gohan Black Super Saiyan Rosé, j'ai Vegeta GT, j'ai Golden Cell, Vegeta Super Saiyan God et Vegeta. Les deux là, vous les allez les avoir avec ce personnage là. Dans le fichier, il y a trois persos, il y a celui-là, donc celui-là, celui-là et celui-là. Donc en Rosé, en God et là c'est en je sais pas c'est quoi. Après j'ai Future Trunk Ultra Instinct, donc c'est pas terrible. Brian Chateau, donc ça je l'ai eu il y a pas longtemps. Brian. Et Dr Mew, donc je vais prendre un combat contre... Pour montrer Cell à quoi il ressemble, on va aller sur le Cell Game directement. Pour ça, je vais vous montrer vite fait ses attaques qu'il a... Vegeta. Donc il est bien fait, je trouve, Golden Cell, il est pas mal. J'aime bien la couleur, elle est sympa.
Hop, donc ce que je vais faire paramètres, je vais tout mettre au minimum, comme ça le combat va pas durer trop longtemps. Et comme ça, vous pouvez voir toutes ces attaques. Donc première attaque est RT, donc on a frappe sauvage. Donc ça l'a raté. Bon non, c'est pas ça son attaque. Ah, voilà. On a celle-là. Ensuite, on a Big Bang avec RRT X. Voilà. Ensuite, on a une autre. Donc on a Flash concentré. Voilà. Ensuite, on a recharge bas d'énergie pour recharger votre ki. Il est pas mal bien fait, il est quand même bien fait l'effet avec les petites. Un peu comme dans le manga, il a une sorte de petite. On appelle ça. Voyez les petits points là. Ensuite, on a Final Flash avec RT, LT, Y. Voilà. Et la seconde attaque, c'est Esprit de Saiyan, donc avec RLT, LT et X. Donc ça fait ça. Voilà. Et on a vague destructive, vague explosive avec le RLT et A. Donc on va essayer, hop. Ça fait rien. Ouais, ça fait pas grand-chose. Donc je vais prendre, remonter mon ki, et on va le finir avec un final flash. Hop, on va le finir avec final flash. Il est pas encore mort, qu'on s'est fait. Ah, parce que c'est un entraînement. Ah, il peut pas mourir du coup, je crois. Ah, ça, il peut pas mourir. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc c'était la présentation du mode avec Vegeta avec sa nouvelle forme. Donc en ultra, on va dire Vegeta Super Saiyan Blue 2. Donc je la trouve pas mal. Donc en même temps, je vous parle en même temps de Dragon Ball FighterZ. Donc dites-moi quel personnage que vous voudrez avoir en DLC. Donc dans les prochains DLC, donc j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être Broly. Ça c'est sûr qu'il y aura peut-être Broly, il y aura peut-être d'autres personnages qui sont dans Dragon Ball Super, donc Jiren. Jiren, franchement, c'est pas vraiment s'il va être là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont annoncé, mais je sais que normalement, Broly, ça serait pas mal sûr qu'il soit dans le jeu. Donc après, peut-être d'autres personnages, on verra bien. Donc pourquoi pas, il y aura peut-être Vegeta et Son Goku qu'en plus c'est transformé en Super Saiyan, c'est-à-dire qu'il sera en normal et vous pouvez les transformer, mais ça m'étonnerait quand même parce que ce sera un peu. Un peu bizarre, je veux dire, mais peut-être aussi un Gogeta, pourquoi pas un Gogeta, serait pas mal, parce que comment ils ont mis Gotrunk, donc pourquoi pas mettre Gogeta. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos, ça va aller partout bien. Peace!